Is the ball from your loop? Will you find me soon? Trapped in the darkness. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Voilà, on est lundi 21 août. Il fait super beau. Je suis à Saint-Cyr parce que bon, je profite de ma dernière journée. Je reprends demain, mardi. Ouais, je reprends un mardi, c'est bizarre. Mais bon, demain, on n'a pas les enfants, donc ça va être sympa. Donc voilà, les enfants rentrent mercredi à la crèche. Donc là, cette année, je serai dans la section des moyens avec les... Ben, avec les moyens. Donc voilà, ben, c'est vite passé les vacances, hein. Surtout que chaque année j'ai 4 semaines et là j'ai eu que 3 semaines, donc voilà, c'est chouette. Ben, là il est 15h, ouais, 15h passées je crois. Donc là je vais aller me baigner, super beau. Comme on est lundi, je me suis dit il y aura moins de monde, et bon, il y a encore les vacanciers, mais bon, j'ai réussi à me garer, alors que le samedi et le dimanche c'est même pas la peine. Donc voilà, je profite de ma dernière journée. Donc là, je vais aller me chercher une petite place. Là, j'ai mis ma nouvelle robe que j'avais achetée sur le marché. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Parce qu'en fait, je ne l'ai pas mise du tout en Corse. Il faisait trop chaud. Et vu qu'il y a des petites manches comme ça, ben, ça tient un petit peu chaud. Mais bon. Il y a des gens qui me regardent. Ils doivent se dire, elle parle toute seule à son téléphone. Tout va bien. Beaucoup de monde, beaucoup de bruit aussi, ça n'a rien à voir avec la Corse. Hein. Bon, j'ai changé d'endroit, que je commençais à être envahie par une colonie d'enfants. Alors voilà, je suis revenue de Carrefour, donc en rentrant de la plage, je suis passée chez Carrefour parce que parce qu'il me fallait des courses. Donc j'ai pris des chips pour demain parce que en fait demain on mange toutes les filles du travail ensemble, donc voilà. Et puis je vais faire une tarte à la tomate mozza. J'ai pris des crisps Paul comme ça pour le matin, pas pour le matin. Du coca pour demain, j'en bois jamais, mais bon, de temps en temps, j'aime bien. Des gnocchis, comme ça, des gnocchis frais. Voilà, d'Italie. Du fromage blanc pour faire avec le concombre. Du fromage râpé, mozza et mental. Et parmesan, il y a les trois dedans, pour mettre sur la tarte à la tomate. Du cabillaud que je vais mettre tout de suite au congélateur. Ensuite, désolé pour le cadrage, mais je fais comme je peux. J'ai pris un coup de soleil là en revenant.
Alors, ensuite, j'ai pris des avocats, de la pâte brisée pour faire la tarte, des galettes comme ça, il y en a deux, si je ne me trompe pas, oui. Épinards, pignons, j'avais goûté, j'avais bien aimé la dernière fois. Du citron, de la mozza pour la tarte, des pois chiches, la ciboulette pour faire concombre fromage blanc, ciboulette, des tomates pour la tarte, j'ai repris de la pré-shampoing comme ça parce qu'il est très bien, il démêle en 1 minute, il est très très bien. J'avais adoré, donc j'en ai repris. Du pâté en croûte. Ça fait très longtemps que j'en ai plus mangé, donc je me suis dit pourquoi pas pour grignoter. Un concombre. Mon addiction à la pâte à tartiner, au Ovomaltine crunchy. C'est vraiment une drogue. Hein. Ça doit faire au moins 30 pots que j'achète et je m'en lasse pas. Vraiment une tuerie. Et du miel. Voilà, j'ai cherché avec de la gelée royale, mais j'en ai pas trouvé. Donc j'ai pris celui-ci. Voilà, je crois que c'est tout. Donc voilà, je vais ranger tout ça. Et puis donc là, c'était chez Carrefour et j'en ai eu pour 50 euros à peu près. Ouais, 50 et quelques euros. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Et voilà, la tarte est prête. Donc au fond, j'ai mis de la moutarde, tomate, mozza, des morceaux de mozza. Et puis du gruyère mélangé avec de la mozza et emmental mozza parmesan. Donc voilà, j'espère que ce sera bon. Donc là, je la lance, je la mets au four. Pas si vous voyez, mais elle est toute gonflée, alors je sais pas si c'est normal. J'avais mis sur grill et puis après j'ai mis sur chaleur tournante. Là on dirait que ça retombe, enfin je sais pas ce que c'est en train de faire, mais voilà, ça gonfle et voilà ce que ça donne. Ça crépite. Bon, j'espère que demain elle sera bonne. Parce que du coup, on va la manger tiède ou froide, je pense. Du coup, j'ai envie d'en manger maintenant. Mais non. Allez, à bientôt, bisous. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle a l'air super bonne. Je vais arrêter de la regarder parce que je vais avoir envie de la manger là. En plus, j'ai pas mangé.